So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues, there's nothing I'd rather do. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on part à l'assurance parce qu'il faudrait qu'on transfère, en fait, en gros, l'assurance d'Ayoub sur le camion. Vous savez, le camion qu'on a loué pour partir en Espagne, voilà, pour prendre la route. Et si vous voulez savoir, c'est super bien parce que vous n'avez pas à déposer de caution, en fait, quand vous louez le camion. Donc ça, c'est génial. Vous avez juste, en fait, à transférer votre assurance sur l'assurance du camion. Donc là, on va aller faire ça aujourd'hui. Et après, Ayoub va travailler. Ensuite, peut-être, aujourd'hui, il va aller me réparer... cet appareil photo, enfin vous savez le vis dont je vous ai parlé hier dans le vlog. Et puis voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous en dire ce qu'il en est de la journée. Ça y est, on a fait notre petite assurance temporaire. Ça a été super rapide, en moins de 10 minutes c'était fait. Donc voilà, on est content. Et en plus c'est gratuit, ça je savais pas, tu vois. Mais c'est bien, ouais. Bah ouais, je pensais qu'il fallait payer un petit truc, mais non, pas du tout. Il faut leur expliquer qu'on a mis, on a changé le... La voiture, en fait, j'ai pris l'assurance de la voiture, je l'ai mise sur le du camion. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est gratuit, c'est un service gratuit. Ouais, parce que si vous voulez prendre un camion chez Jiffy, vous n'êtes pas du tout obligé de donner une caution ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment génial. Là, on passe vers une gare où on se rejoignait tout le temps avec Ayoub, tu te rappelles? Tu me disais, j'arrive là, il me reste un arrêt et tout. C'est trop marrant. Franchement, des fois, tu passes par des endroits. Ouais, je me souviens, ouais. Il y avait une petite épicerie où on passait prendre des boissons. Ah là là, le temps passe vite. C'est un truc de fou. Ouais, je vous disais, des fois, t'as des endroits où tu repasses et t'as plein de souvenirs genre, qui te reviennent. C'est trop marrant. Et là, on mangeait au grec, là, juste derrière. Bref, donc là on a 2-3 petits papiers à faire, donc on va aller les faire. Bon, on est repassé chez Action pour reprendre 2-3 petites choses et voir s'il n'y a pas une petite visseuse. Je sais pas s'ils en font. Bon, alors ce qu'on va prendre, on va prendre un pot comme ça. C'est en fait un pot pour vernir, donc on va le prendre pour la cuisine. Et il est où l'autre? Ah, il est là. Tu l'as mis là. Ouais, il est là. Et on va prendre aussi celui-ci couleur crème, voilà. Aussi des vis. Ça là, vous savez, pour renforcer les coins pour le dressing, on en a repris. Et ici il y a la visseuse qui est à 29 euros, donc si vous en cherchez, il y en a aussi chez Action. Donc voilà, finalement on a pris 2 pots, vous savez, pour vernir, parce qu'en soi il y a pas mal de portes au niveau de la cuisine, donc ouais, c'est pas plus mal. On va prendre aussi ça à 1,99, c'est un spray donc de couleur gris pailleté, donc on va prendre celui-ci. Et je vais prendre aussi celui-ci, donc ça c'est plus gold pailleté. Donc voilà. Et on est en train de regarder encore, je vous montrerai de toute façon si on prend autre chose. C'est quoi ça? Oh, il y a vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas du jaune, Ayoub? Non, il y a que du vert. C'est quoi ça? Ça c'est pour le métal. Ah, ça on n'en a pas besoin? Non, on en a déjà acheté de ça. Cette couleur? Ah, elle est pas mal la couleur. Mmh. Ouais, mais non. Non, non, non. Non, on avait acheté. Ouais, celui-ci, on l'a pris, c'est la même chose en fait que ça. Ouais, c'est la même chose, on l'a acheté celui-ci. Black metal. Très bien. Et ça, c'est quoi? Ah, c'était sur peinture. Ça, on en a pas besoin, on en a. C'est pas de la peinture de très bonne qualité. On va prendre aussi ça, c'est super bien. C'est une peinture en fait, vous savez, alors attendez, vous allez pas très bien voir. Vous voyez, en fait, c'est couleur un peu vintage. Donc ça, c'est du gris, il y a aussi... du vert, mais je pense qu'on va plus partir sur celui-ci. Il coûte 2,99 le pot, donc ça c'est joli par exemple pour des placards ou je sais pas encore pourquoi on pourrait l'utiliser, mais on le prend quand même parce que je pense qu'on aura pas mal de choses là-bas à peindre, donc c'est toujours bien d'avoir ça. Donc ouais, on va prendre ça en plus. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est quoi, c'est argent? Argent? Ouais, c'est le vert. Finalement, on va en prendre 2 de chaque, vous savez, des petits sprays là. Donc on a pris 2 argentés et 2 dorés gold. Mais franchement, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Vous avez plein de pinceaux aussi. Franchement, c'est super bien. Les pinceaux, on en a pris hier. Mais... Ah, Ayoub, regarde. Ça, t'en auras besoin.
agiteur de peinture. Pour, tu sais, mélanger la peinture. Ouais, ça c'est bien. Alors, il est 19h15, donc je vous reprends en fin de journée. Entre temps, on est parti manger avec Ayoub au kebab. Après, donc Ayoub à 14h, il est parti travailler. Et moi, de 17h à 19h, bah là, je viens tout juste de terminer. J'étais en train de répondre à un mail auquel je devais répondre quand même il y a un moment. Et là, je me suis décidée, en discutant avec mes parents, Ayoub, etc., je me suis dit, allez, je vais leur répondre quand même. Donc en gros, c'était des questions et je devais répondre à toutes ces questions-là. Donc ça m'a grave pris du temps. Ça, c'est toute ma vie. Pendant toute ma scolarité, ça a été toujours ça. On me demande de faire petit et je fais toujours super grand. Ouais, donc c'est pour ça que ça m'a pris du temps, parce que j'ai vraiment voulu faire, bien expliquer les choses, tout simplement. Ça, pendant les partiels, c'était tout un délire. On me demandait de faire une copie double. Je rendais 6 pages, 8 pages. C'est toute ma vie, ça. Bref, donc je vous en dirai des nouvelles quand j'en saurai un petit peu plus. Parce que franchement, je suis vraiment dans le flou. Voilà, on m'a envoyé ce mail, on m'a expliqué un petit peu. Donc je sais ce que c'est, hein, je sais dans quoi je me lance. Mais ouais, j'aimerais avoir quand même un peu plus d'informations. Donc je vous tiendrai au courant. Si ça se fait pas, je vous le dirai aussi. Mais pour l'instant, j'attends de voir. Donc ouais, je suis un peu en mode ah trop bien, vous voyez, ah c'est génial, genre dans ma tête il y a un petit singe qui est trop content et d'un côté il y a un petit singe qui est en mode hyper stressé. Ouais, hyper stressé. Bref, je vais vous laisser parce que moi je me connais, j'aime trop parler et c'est... Enfin trop parler, à chaque fois quand il y a des trucs comme ça je dis pas parce que bah... Tant que ça se fait pas, etc., j'aime pas parler pour rien. Mais ouais, j'aime bien au moins vous le dire. Enfin, vous voyez, parce que là, ça fait partie de ma journée. Ça a pris quand même un petit bout de ma journée. Donc, c'est pour ça que je vous le partage. Mais ouais, non, je suis à la fois contente et à la fois un peu aussi en mode what? Qu'est-ce qui va se passer, vous voyez? Parce que... Ouais, bref, c'est bon, allez, c'est bon, on l'a compris. Je vais vous laisser... ce que je vais faire, c'est que je vais partir prendre ma douche, ensuite me faire un brushing parce que demain j'ai un événement. Donc j'aime bien partir les cheveux lisses, etc. parce que c'est moins galère d'entretenir, c'est-à-dire que demain je me lève, cheveux lisses et c'est bon, je peux partir, vous voyez. Donc je vais faire ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, petit brushing fait, je sais pas si vous voyez mais j'ai encore le masque, hein. Je l'ai pas encore enlevé. Elle m'a fait le brushing en 15 minutes donc je l'ai laissé poser le temps du brushing. Là je me prends juste un petit bandeau pour enlever le masque. Si vous vous demandez d'où il vient de chez Primark. Ouais, je l'avais acheté à Primark. Alors je vais vous poser là. Normalement c'est bon. Si vous vous demandez, le masque que j'ai mis, je sais même pas si... Non, je vous l'ai pas montré. C'est le masque de chez The Body Shop. Voilà. Je vais utiliser mon petit gant de chez The Body Shop. Voilà. Et il est vraiment bien pour enlever les masques. Donc... Il est l'heure pour moi de terminer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'il n'aura pas été très long.
Demain, bah écoutez, là je suis vraiment en train d'essayer de finir un maximum tout ce qu'on a à faire avant de partir, tout simplement. Donc de toute manière, on part très très prochainement, Inch'Allah, si tout se passe bien. Je vous tiendrai au courant de tout. Donc restez connectés parce que ce sera cool, je pense, les vlogs en Espagne. Enfin, je pense. Bref, écoutez, je vais vous laisser, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!